Je pense que c'était sur une orientation sexuelle supposée à l'époque, puisque moi, je n'en parlais pas autour de moi. C'est une souffrance. Et je crois que le pire, c'est quand on a le sentiment que cette souffrance n'aura pas de fin. Il y a des proches avec qui je n'en avais pas forcément parlé. Il y avait une forme d'incursion dans mon intimité. Ce qui a été le pire, c'est qu'il a écrit que j'étais soulagé de la mort de mon père. C'est-à-dire que même la mort de mon père, ce qui est quand même l'une des choses les plus terribles qui vous arrivent dans la vie quand vous perdez un parent, même ça, il a cherché à l'utiliser pour me salir. Je lui en ai parlé au moment de sa mort. Je m'étais toujours dit, j'en parlerai à mes parents le jour où je serai amoureux. Et je suis tombé amoureux. Puis, est arrivé le moment. Je le retardais un peu forcément, mais j'avais envie de le présenter. D'un côté, je me suis dit qu'il y avait une forme de non-dit depuis des années, parce que j'avais 26 ans et qu'il l'avait compris. Et de l'autre, j'étais terrifié à l'idée de sa réaction, je me suis dit s'il réagit mal, je n'ai pas envie de passer ma vie avec ce souvenir de ses derniers moments avec mon père. Et là, il m'a souri et il m'a dit, « Enfin, tu m'en parles. Tout le reste n'a aucune importance à côté de l'amour. »